paye pour ça. Hein, espèce de salaud. Je veux la pellicule. Vous êtes sourd, je veux cette pellicule. Je le fais pas pour le plaisir, petit. On me paie, c'est mon gagne-pain. Joli gagne-pain. Soyons clairs. Vous n'êtes pas du genre fidèle et elle l'a su. Ça n'a rien d'agréable, mais c'est pas de vous défouler sur moi qui changera grand-chose. Ça va, lâchez-moi. À votre situation, vous avez le choix. Soit vous retournez ramper aux genoux de votre femme en prétendant aimer jusqu'à sa bouffe dégueulasse, soit vous cherchez un bon avocat. Je vous libère, vous êtes calmé? Oui, oui, ça va. Ça va, je vous dis que vous pouvez me lâcher. Il y a longtemps qu'elle est au courant? Mon boulot, c'est de prendre des photos. Pour le reste, adressez-vous à elle. C'est pas très important. Elle va vous reprendre. Les femmes pardonnent presque toujours. Il arrive que certains s'en tirent à bon compte. Cette nuit, il y a un léger mieux, mais je... Il faut que vous le sachiez, Monsieur Stone. Il ne lui reste que quelques heures. Est-ce qu'elle s'en rend compte? Je crois que oui. Je crois qu'elle s'en doute depuis le début. J'avais l'image de cette horrible petite bicoque verte qu'on avait louée tout près du cap. Tu t'en souviens? Que oui. C'était le premier été après notre mariage. Oui. Je me rappelle, j'étais étendue à côté de toi. Et je me disais, en te regardant, on se connaît à peine. Je viens de m'engager à passer ma vie entière avec lui. Je ne connais rien de lui, ou presque. Alors, à l'instant où j'en arrivais à me dire que je venais de faire la plus terrible des bêtises, tu t'es retourné vers moi. Et tu sais ce que tu m'as dit? Non, je t'avoue que non. Tu as dit, promets-moi que tu me quitteras. Si jamais tu n'es pas heureuse avec moi. Tu me l'as fait jurer. Pourtant, je savais que je n'aurais jamais le courage de le faire. De te quitter. Puis ensuite, tu m'as embrassé tendrement et on a fait l'amour. Tu n'auras pas trop de chagrin. Je ne veux pas que tu souffres. N'attends pas trop longtemps, tu entends. Il faut
faut me le promettre. Jonathan, chéri. J'ai peur, Hélène. Oui, je sais bien. Mais je suis là encore. Je serai toujours là auprès de toi. Oui, oui, je te crois. Dieu de miséricorde, toi qui connais la douleur de l'affligé et qui es attentif à la prière des humbles, écoute ceux qui ont foi en toi et qui ont besoin de toi, réponds à leur appel. Accorde le repos de l'âme à ta servante Seigneur et que ta lumière éternelle brille pour elle à jamais. Son âme et celle de tous les fidèles défunts reposent en paix par la grâce de ta miséricorde. Amen. Jonathan. Arnie. C'est bien triste. Hein? Ouais. Excuse-moi, je ne trouve pas les mots justes. Il n'y en a pas, il n'y a rien à dire. Ça fait une trotte depuis Seattle. Pour la circonstance, c'est normal. Hélène, c'était plus qu'une amie pour moi. Les amis d'enfance, c'est un lien unique. Et je ne serais pas venu. Et toi, comment tu vas, John? Très dur. Je suis dans un tunnel. Jonathan? Je compatis. Hein? Je peux faire quelque chose? Non. Au revoir. Qui est-ce? Nos équipes ensemble. Il est flic comme toi? Je suis plus flic. Depuis en étant froid. C'est la vie. Arnie, si on y allait. J'ai pris une suite au Royal Court. J'ai un bar dans le salon. Mais on peut se faire servir en bas. Sauf si t'as une meilleure idée. Je suis un entrepreneur. J'ai investi dans la haute technologie. C'est le marché porteur des années 90. Mmh. L'affaire doit bien marcher. Ce palace doit te coûter... Le max. Et toi, les finances? Oh, c'est la dèche. Je suis complètement raide. On avait un peu d'argent de côté, mais... Avec la maladie d'Hélène, les médecins, tout ça, ça a vite fondu. J'ai tout dépensé, même plus. De quoi tu vis? J'ai obtenu une licence de détective. Je suis un privé. Je fais un peu d'adultère et un peu de recouvrement de dettes. C'est pas joli, joli. Tu devrais au moins avoir droit à une pension de la part de la police. T'as bossé pour eux des années. C'est du vent. 23 ans de service, récompensé 6 fois pour acte de courage. Et tout ça pour quoi faire? Est-ce que tu as des projets? Aucun. Ce qui est sûr, c'est que j'arrive pas à me résoudre à rentrer chez moi. Et puis maintenant, est-ce que ça vaut le coup de vivre? Hé, hey, ressaisis-toi. Oh, fais pas attention. Et rassure-toi, j'ai opté pour l'autodestruction à petite dose. Écoute, on est sortis ensemble, Hélène et moi. On était en couple, mais c'était bien avant votre rencontre. Tu étais au courant? Je le savais. J'ai toujours été un peu amoureux d'elle. Peut-être plus qu'un peu, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais...
Voilà, tu le sais. Je l'ai toujours su. Tiens. Je voudrais que tu prennes ça. Qu'est-ce que c'est? C'est mon billet de retour pour Seattle. J'ai une villa sur le lac Washington, c'est plutôt isolé. Une ville de province avec ses vieux bourgeois. Enfin bref, la villa est vide, je n'y retourne pas avant 2 semaines ou même plus. C'est gentil, mais ça ne me dit rien. Tu as tort. Qu'est-ce qui te retient maintenant à Boston? Tu ne laisseras que ton désespoir. Donne-toi un peu de répit. Tu mérites bien ça, va. Allez. Donne. Assez décourageant. Je dois pas avoir de bons appâts. Est-ce que je vous connais? Je m'appelle Stone. Passe quelque temps chez Arnie Ryan. C'est un ami à vous, alors? Au croire. Vous n'avez pas l'air trop convaincu. Je ne l'avais pas revu depuis longtemps, pas jusqu'à il y a 1 semaine. Vous le connaissez? Pas vraiment. Je suis Annie Hayes. Attendez. Vous habitez dans le coin? Cette espèce de monstruosité, là. Le bon goût n'était pas ce qui caractérisait ma famille. N'était pas? C'est mon père qui l'a fait construire, j'en ai hérité après sa mort. Désolé. Moi aussi. Quelquefois, je me demande ce que je fais ici. Je suis trop vieille pour le retour de l'enfant prodigue. Et où est votre mère? On communique par personne interposée. Elle vous manque? Pas vraiment. J'avais 10 ans, elle en avait 28. Je crois qu'elle détestait la compétition. Et ensuite? Il y a eu des remplaçantes. Des belles-mères, bien sûr, au moins 5 ou 6, le chiffre exact, je l'ai oublié. Votre père les a toutes épousées? Toutes, oui. Vous êtes curieux, dites donc. Des formations professionnelles. Que faites-vous? Moi, pas grand-chose. Oh, si ça rapporte, c'est génial. Et vous, que faites-vous? Moi, je récupère. Et de quoi? Des fausses rencontres, des hommes pressés, des amours qui ne vont pas jusqu'à l'église. C'est une vieille histoire, ça n'a pas le moindre intérêt. Oh, regardez, vous attendiez de la visite? Hmm? Restez là. Quoi? Vous ne comptez pas y aller tout seul? J'appelle la police!
Je peux peut-être vous aider, monsieur. Un amateur m'avoir raté à cette distance. J'appelle tout de suite la police. Non, non, c'est inutile. Écoutez, je crois que vous avez assez joué les machos comme ça. Les héros super virils, ça m'impressionne pas. Si, au contraire, ça m'impressionne beaucoup. Mais il se passe ici des choses. Je suis sûr que c'était qu'un petit cambrioleur de bas étage qui a paniqué quand je l'ai surpris. Paniqué mon œil. Attendez, et si vous appelez la police, ils vont me poser un tas de questions. Mm-hmm. Et j'ai pas envie qu'on m'emmerde. Il reviendra pas. Et je n'ai pas spécialement envie de voir les flics. Voudriez-vous être un peu plus précis? C'est une vieille histoire. Il a volé votre voiture. Je l'avais louée. Vous n'êtes pas criminel, c'est pas votre genre. Ça m'aurait pas déplu, on a tous un côté pervers. Seriez-vous un ex-délinquant qui cherche à racheter ses fautes? Je ne suis pas aussi intéressant. Mmh, j'en suis pas aussi sûr. Alors, si on ne dit rien à la police, qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Je suis épuisé. Je suis ravi de vous avoir rencontré, mais là... Est-ce que vous me montrez la porte? Mm-hmm. Ah, eh bien, je viens de vivre des moments fascinants. Combien de temps allez-vous rester? J'arrive. Ça va. Ouais, je viens tout de suite, bon sang. Seriez-vous Jonathan Stone? Oui. Et pourquoi? Vous connaissiez peut-être un dénommé... Arnold Ryan, monsieur Stone. Oui, je le connais. On est chez lui, il n'y a pas d'erreur. Écoutez, si c'est au sujet de ce qui s'est passé ici hier soir... Qu'est-ce qui s'est passé hier? Oh, un voleur est entré. Quand il m'a vu, il s'est enfui. Je lui ai fait peur, il a tiré sur moi. Ouais, rien de méchant, vous voyez. J'imagine qu'elle vous en a déjà parlé. Elle? Qui ça, elle? Annie Hayes, la fille qui vous a appelé. Est-ce que vous savez qu'Arnold Ryan est mort, monsieur Stone? Quoi? Mais une patrouille a trouvé son corps dans un bois tout près d'ici. Ah non, je suis sûr que c'est impossible. Oh, si, c'est très possible, monsieur Stone. Le type avait un calibre 9 automatique et il lui a mis le visage en compote. Et je crois que ce type, ça pourrait bien être vous. Alors... La dernière fois que vous avez vu Arnold Ryan, c'était il y a une semaine environ, à Boston. C'est exact? Je vous l'ai déjà dit. Mais avant ça, vous ne l'aviez pas revu depuis plus d'un an, hein? Je vous l'ai déjà dit aussi. Est-ce que vous... Vous reconnaissez cet objet? C'est votre agenda, n'est-ce pas? Votre nom est écrit sur la couverture. Il se trouvait dans une espèce de gros baquet près du réservoir Kesterson, à l'endroit où vous avez balancé le corps mutilé. C'était une grosse négligence, je dirais. Je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Prouvez-le-moi. Prouvez-moi le contraire. Écoutez, Durand, vous perdez votre temps. Vous avez le cadavre, on retrouve mon carnet près de lui. C'est trop facile. C'est une preuve indirecte. Ça n'est pas suffisant pour qu'on m'arrête. Arnie était un copain. C'est bien triste qu'il finisse comme ça et je n'y suis pour rien. Alors trouvez le meurtrier. Papa m'a toujours interdit de parler avec des étrangers. Aujourd'hui, je sais pourquoi.
Excusez-moi, mais je n'avais le droit qu'à un seul coup de fil et je ne connais que vous ici. Mais c'est très bien. Stone, vous comptez bientôt rentrer à Boston? Oui. Pourquoi? Annulez tout. Je peux plus me passer de vous. Ça me dérange. Quoi? Ça alors, ça mérite une paire de claques. Je suis impétueux. Vous êtes odieux. Mon côté gémeaux, on est des impulsifs. Oui, et en plus, vous êtes versatile. On parlera de ça un autre jour. Je meurs d'impatience. Mon agenda, comment s'est-il procuré? Qui? Arne et Ryan. Et pourquoi est-il repassé à Seattle? Et le plus important, qui avait intérêt à le supprimer? Et à vous impliquer, vous? En tout cas, je ne l'ai pas tué. Ça, c'est réconfortant. Vous ne me croyez peut-être pas? Si, si, je vous crois, je vous crois. Mais j'ai du mal à me faire une idée sur les gens. Apparemment, quelqu'un se donne beaucoup de mal pour faire croire que je l'ai tué. Dites-moi tout ce que vous savez sur Arnie Ryan. C'était votre ami, non? Ah non, c'était l'ami de ma femme. Femme? Eh bien... La vie est pleine de surprises avec vous. Parlez-moi un peu d'Arnie. Je ne sais pas grand-chose en réalité. J'ai vu Arnie Ryan pour la première fois il y a un an. Il venait de s'installer. Il étalait beaucoup son argent, ce qui n'était pas trop du goût de l'aristocratie locale. D'autant que personne ne savait comment il gagnait sa vie. Il vivait seul dans cette grande maison? Comment ça? Pas de fiancée? Disons qu'il voyait beaucoup une des deux sœurs Walsh. C'est qui, les sœurs Walsh? Ce sont des filles du cru, elles se sont bien débrouillées. Déborah a tiré le gros lot, elle a épousé Sidney Bradford. Il a fait des milliards dans l'immobilier. Enfin, un truc dans ce goût-là. Quel est le profil de sa sœur? Nora? Bombe sexuelle, ravissante si on aime le genre claquant. C'était le genre d'Arnie? Faut croire. Il a ramené votre voiture. Avez-vous parlé à quelqu'un de ma présence ici? Réfléchissez, est-ce que quelqu'un sait que j'habite la villa de Ryan? Non, pourquoi? C'est le jour de sortie de la bonne? Vous savez ce qu'il cherchait? J'en ai aucune idée. Qui est-ce? Nora Walsh. Ils ont appelé chez moi tard dans la nuit. Durant m'a demandé de venir tout de suite leur joindre. Il n'a pas dit pourquoi. C'est au commissariat que j'ai su qu'Arnie était mort. Alors ils t'ont emmené à la morgue pour identifier le corps. C'est un endroit abominable. Un bonhomme a mis une cassette. Ça faisait une horrible musique de fond. Je ne sais pas pourquoi j'ai retenu ce détail. Pour ne pas avoir à me rappeler du reste, sans doute. J'ai rencontré Arnie à Boston il y a maintenant une dizaine de jours. Vous saviez qu'il y était? Il est parti aux funérailles d'une jeune femme, une amie d'enfance. Il avait prévu un séjour de 2 semaines et il devait rester pour régler certaines affaires. Il a dû rentrer plus tôt. Apparemment. Vous savez quel jour c'était? Il y a 2 ou 3 jours. Il n'est pas rentré chez lui parce qu'il a prêté sa villa à un ami. À qui? Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'était sa femme qu'on enterrait. D'après Arnie, le pauvre type était complètement brisé. C'était un couple très uni. Ils étaient mariés depuis des années. C'est vrai que c'est triste.
Arnie a eu envie de l'aider. Enfin, bref, il s'est installé chez moi. C'est fou, ses affaires sont encore là. Nora, pour quelle raison l'a-t-on tué, à votre avis? Je sais pas. Je sais pas, j'ai déjà du mal à m'y faire. Arnie était si gentil, si tendre. Et je l'aimais vraiment. Je me sens si seule. J'aimerais que vous partiez, je suis crevée. D'ailleurs, je vois pas ce que je vous dirais d'autre. Je sais pas qui a pu faire du mal à Anne. Pour vous, monsieur, ce sera quoi? Vous connaissez la Corée? Comment l'avez-vous connue? Annie, soyez gentille, évitez-moi ça. Quoi? Votre compassion. On s'en tient à la formule habituelle des condoléances. Vous savez, vous allez finir par vous en lasser. De quoi? De passer pour le type fort que rien n'ébranle. Je viens de vivre 24 heures avec vous. Vous avez été cambriolé, on vous a attaqué, tiré dessus, accusé de meurtre. Je reconnais que je me suis bien amusée, mais je ne sais rien de vous, de ce que vous ressentez. Je suis innocent, je n'ai pas tué Ernie. C'est le reste qui m'intéresse. Le reste, c'est personnel. J'ai compris le message. Peut-être que je suis trop pressée. C'est ridicule. Restons-en là. Annie, arrêtez. Allez, revenez, asseyez-vous. Je vous en prie. Je me suis mal conduit. Il y avait un... un joli parc tout près de chez mes parents. Il n'y avait rien de particulier, sauf que c'était un endroit tranquille où les enfants pouvaient jouer en toute sécurité. C'est là que j'ai vu Hélène pour la première fois. C'était en plein hiver, il faisait froid, bien en dessous de zéro. Et elle portait un de ces gros pulls blancs, irlandais, en torsade, une jupe noire et un bonnet hideux. En laine avec une espèce de pompon ridicule qui pendait derrière. Et moi, j'étais comme pétrifié. Je la fixais sans pouvoir détourner mon regard. Je la regardais sans bouger, comme ça, pendant des heures. J'avais envie de... je mourais d'envie d'aller la voir, de l'aborder... et j'étais certain qu'elle n'avait pas remarqué ma présence. Vous ne lui avez même pas parlé? Non, pas ce jour-là. Pourquoi, Stone? Par timidité excessive, sans doute. Je n'en ai pas eu le courage. Vous l'aimiez profondément, je suppose. Où se trouve le réservoir Kesterson? Quoi?
C'est là qu'on a trouvé le corps près de ce réservoir. Est-ce que vous savez où c'est? Bien sûr. Vous m'y amenez? Vous ne croyez pas que la police a déjà fouillé ici? Sûrement, mais on ne sait jamais. Au fait, qu'est-ce que vous cherchez? Je peux vous aider? Je sais pas, un indice quelconque. Ah, je vois. Parfait. On va donc passer tout l'après-midi dans un endroit humide, un bâton à la main, à chercher on ne sait quoi. C'est intéressant. Alors moi, je crois que je vais aller me balader. Allez-y. Que tu attrapes? Des tétards. T'as réussi à en avoir? Oh! Stone! Laissez-vous! Oh, je suis désolée. Stone! Vous le voyez? Quoi? Regardez! Je suis très forte, hein? Vous croyez que c'est l'arme qui a tué Ernie Ryan? Ça, il y a bien des chances. Bon, à votre avis, il appartient à qui? J'ai plus qu'un avis. J'ai la réponse. Alors à qui? À moi. Et la terre à la terre. La poussière à la poussière. Et la cendre à la cendre. Ils l'ont incinéré. C'est plus propre. Et puis franchement, balancer le cadavre dans le lac, c'était assez délicat. Devant tant de témoins, ça aurait fait des ordres. C'est d'un goût. C'est de l'humour noir. C'est la sœur de Nora avec les lunettes. Deborah Walsh Bradford. J'ai toujours cru qu'elle savait parfaitement mener sa barque. Depuis quelque temps, j'ai changé d'avis. Je vous suis pas. On a dit qu'elle avait épousé Sidney Bradford pour ses milliards, mais j'en suis plus aussi sûre maintenant. Franchement, c'est le dernier des salauds. Il lui fait vivre l'enfer. C'est ce type? Oh non. Lui, c'est la dernière victime de Leslie March. Cette brave Leslie s'est spécialisée dans la pêche aux veufs et aux divorcés. On devrait les classer espèces préservées en voie de disparition. On ne l'aime guère. On la hait cordialement. Mais ne vous fiez pas à moi. J'ai fait de l'Oedipe tardif en plaques. Votre père s'est fait avoir? Je vous ai dit que mon père était très riche, même pas qu'il avait du coup. Qui est le type à la queue de cheval? Je ne connais pas son nom, si tant est qu'il en est un. Bradford l'a engagé comme garde du corps de sa belle. C'est une sorte de ceinture de chasteté qui parle et qui bouge. Et Deborah n'est pas une épouse fidèle? Sidney est paranoïaque. Et celui-là? David Yates. Bras droit de Bradford, son bouc émissaire, je devrais dire. Il en a toujours pincé pour Nora. Mais par contre, lui, il n'est pas du tout son genre. Pas depuis l'arrivée d'Arnie dans le paysage. Émouvant, n'est-ce pas? J'ai même cru voir Durant essuyer une larme. Il est là depuis le début de la cérémonie. On le paye pour être persévérant. J'ai l'impression qu'il vous est hostile, c'est curieux. Parce qu'il croit que je suis le meurtrier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et que veut dire ce « on »? On, pronom indéfini, remplaçant le pronom « nous », en l'occurrence vous et moi. On n'a jamais été à l'école? Au collège Saint-François d'Assise, où lorsqu'on faisait le malin, on vous frappait à coups de bâton. On s'y croyait au Moyen-Âge, alors? C'est ce que je pensais à l'époque. Vous ne m'avez toujours pas répondu. Écoutez, Annie, vous avez trouvé mon pistolet, vous n'en avez pas parlé à la police, et on peut vous accuser d'entraver l'enquête.
Je suis encombrante, en quelque sorte. Personne ne pourra dire que vous ne comprenez pas vite. Qu'est-ce que vous espérez, que je vais m'éclipser sur la pointe des pieds comme une petite femme soumise? Ce n'est malheureusement pas votre genre. Oh! Allez, dites-moi quels sont vos plans, je me tais. C'est juré, je vous laisserai tranquille, je vous poserai plus de questions. Je ne me mêlerai de rien, c'est promis. Alors voilà. Tous les meurtres ont un mobile. Un Iranien avait certainement appris quelque chose, ou peut-être qu'il possédait un objet de valeur qu'on a voulu lui reprendre. Quoi, par exemple? Je le savais, ça m'aiderait. Ce qu'on sait, c'est qu'il voulait à tout prix arriver socialement. Mais si l'on en croit Nora Walsh, c'était un saint homme. Ouais, ça c'est loin de l'Arnie que j'ai connu. Alors, vous comptez faire quoi? Commencez par voir les proches du défunt. Une des personnes du bord du lac leur a bien joué la comédie. Il suffit de découvrir laquelle. Vous croyez qu'ils vont se confier à vous? Un parfait inconnu? Quelqu'un que la police soupçonne d'avoir assassiné son ami? Je veux bien que vous ayez du charme, mais... Attention, Annie, vous avez promis. Soyez pas têtue, vous avez besoin de moi. Je fais partie de leur monde, ils oseront me parler. Je sais quand ils mentent. Je connais leurs petits secrets. Stone, vous n'y arriverez pas sans moi. Allons, soyez beaux joueurs. On va voir qui, d'abord? Leslie Marsh. Arnie ne valait pas grand-chose. C'était un sympathique vaurien, mais un vaurien quand même. Dolly, allume-moi une cigarette. Leslie, c'est interdit de fumer dans le salon. Elle se venge de moi. Elle croit que j'ai épousé son père seulement par intérêt, ce qui est vrai en partie. Mais c'était pas le seul motif. Je l'aimais, le vieux radin. J'ai pas eu droit à un centime de pension après le divorce. On se connaît, en fait? Jonathan Stowe. Tout à l'heure, chérie. Chaque fois que je viens ici, j'espère des miracles. Je pourrais me tirer la peau sur tout le corps et mettre des masques 10 fois par jour, ça me rajeunirait pas pour autant. Ça ne peut que faire du bien. Voyez, elle a une dent contre moi. Leslie, est-ce qu'on pourrait parler d'Arnie Ryan? Que voulez-vous savoir? Qui il était, sa vraie personnalité? Arnie était un imposteur. Je mentirais si je prétendais qu'il avait le sens des affaires ou qu'il était un de ces entrepreneurs modernes. Parce que la vérité, c'est qu'il n'a jamais eu un sou devant lui. C'était le type même du jouisseur. Ah. Alors, il se débrouillait comment? Je vous ai dit qu'il était irrésistible. Il aimait les femmes. Elles le lui rendaient bien. Ça n'avait pas d'importance qu'elles soient mariées ou célibataires, à condition qu'elles aient beaucoup de moyens. Il profitait de son charme et de sa belle gueule. Il n'était pas aussi séduisant que vous, mais il était pas mal. Enfin bref, Arnie vivait de petits arrangements. Je le décrirais comme une espèce de macro. J'allais plutôt dire une sorte de capitaliste. Les femmes échangeaient leurs biens contre ses services. Une pratique qui vous est familière, somme toute. Et qui peut avoir tué Arnie Ryan? Ah, ça c'est la question à $5. Une de ses ex-conquêtes, un vieux mari jaloux. Bon, des tas de gens avaient de très bonnes raisons. Mais aucun d'eux n'aurait eu le cran. Que vous en pensez? Donc c'est une vieille peau, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Arnie? Je la trouve très drôle. Je comprendrai jamais les hommes, moi. Leslie n'est pas une menteuse. En tout cas, ça l'amuse trop de révéler des secrets. Et ce qu'elle a dit sur Ryan est parfaitement sensé. Vous savez, j'ai envie de discuter avec les sœurs Walsh. Mais j'aimerais pas que ça fasse arranger, surtout. Il faut un lieu qui ne réveille pas leurs soupçons. Leur environnement naturel? J'ai ce qu'il vous faut. Vous
Vous avez vu la veuve éplorée? Peut-être qu'elle cicatrise vite. Je dirais que ça ne me surprend qu'à moitié. Ne vous fiez pas aux apparences. Tu vois ce que je veux dire, Annie? Toi et moi, on a eu des... On met les querelles d'anciens combattants en veilleuse, s'il te plaît. Surtout devant certaines personnes. Vous vous appelez Stone, je crois. Oui, c'est ça. Deborah Bradford. Enchantée. Je sais que vous avez vu ma sœur Gisèle. Elle était si bouleversée. Elle a l'air parfaitement remise. Elle a trop bu. J'essaie de l'empêcher de faire des bêtises, mais elle est indépendante. Et démonstrative, en plus. Nora adore choquer. La discrétion n'est pas son point fort. Elle en raconte toujours trop, et pas toujours aux bonnes personnes. Nora a tendance à aimer les mauvais garçons, et c'est dangereux. Est-ce que ça s'applique à Arnie Ryan? Écoutez, Monsieur Stone, ne vous faites pas une fausse impression. Nora et moi, on s'est retrouvés seuls très jeunes. C'est ma sœur, je l'adore. Mon rôle est d'essayer de la protéger, car elle n'est pas toujours en mesure de le faire. C'est un problème hormonal chez elle. Ouais, ça se voit à des kilomètres. Nora était amoureuse d'Arnie. Il est mort. Elle souffre. Elle se comporte comme ça pour oublier sa douleur. Parce qu'elle est dans cet état, elle peut faire n'importe quelle bêtise. Je suis là pour empêcher qu'elle finisse mal. Et c'est sans doute David Yates qui va lui administrer les premiers soins. Vous êtes cynique, Monsieur Stone. Non, plutôt réaliste. C'est un ami très fidèle. Ah, salut! Vous vous sentez mieux? Oui, merci. Vous savez que vous êtes trognon. Vous ne trouvez pas que j'ai trognon? Je le trouve à croquer. J'ai une idée qui me paraît très tentante. Non, n'en rajoutez pas. Vous. Ça m'a échappé. Suivez-moi sur la piste. Ça suffit, on rentre maintenant. Non, je ne veux pas rentrer juste au moment où on commence à s'amuser. Dépêche-toi, sois raisonnable. En allez, plus, viens. J'en ai marre, c'est toujours comme ça. À bientôt. Charmante. Elle réussirait à faire fondre un musée entier de statues de cire. Je vous remercie pour l'hospitalité. Ça n'aurait pas été très malin que je retourne chez Arnie. Ça me fait plaisir. J'adore la compagnie. Ça fait des mois que je n'ai pas... que j'entends résonner mes pas dans la maison vide. Je veux dire... Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est le moment de reprendre goût à la vie. Oh, je ne suis pas guérie. Oh, non, je suis en pleine convalescence. Mais d'ailleurs, où je pourrais aller? Ma chambre est au bout du couloir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est seulement à titre d'information ou à... Vous êtes fatigué. Je vous laisse? Non, je ne suis pas fatigué. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Non, je... Je me demande pourquoi vous faites tout ça pour moi. J'ai pas envie qu'on vous condamne pour un crime que vous n'avez pas commis. C'est contraire à mon sens de l'équité. Ou alors, c'est peut-être seulement par ennui. J'ai tendance à confondre les deux. J'agis sans réfléchir. Je suis mes impulsions, en général. Et j'ai un gros problème avec les hommes, ce qui est très, très banal, mais très répandu. Mm-hmm. Comment était-il? Il n'y en a pas eu qu'un. Et je finis toujours par être blessée. J'ai une faiblesse côté sentiment, comme vous avez déjà dû le noter. Ils avaient tous le genre sombre qui broie du noir, du genre profond, mais quand on creuse un peu, il ne reste plus grand-chose. On n'est peut-être pas forcé de parler de ça. Non. Vous êtes quelqu'un d'honnête, Stone. Pas toujours. Si, si, vous l'êtes. C'est certain. Vous êtes honnête. C'est ce que j'espérais le plus et à quoi je m'attendais le moins. Je ne suis pas douée pour l'ironie. Je suis navrée. Non. Ne le soyez pas. Bonne nuit, Stone. J'en ai fait un peu trop. Oui, c'est vrai. Et alors, j'ai bien mérité de m'amuser. J'en ai le droit. Je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans un état pareil.
D'accord, je n'aurais jamais rien dû dire à David. Mais ça n'a aucune importance. Quand je n'aurai plus besoin de lui, je m'en débarrasserai. Ce sera facile. Il est si inoffensif et sans méchanceté. C'est tout le contraire de toi. Toi, t'as le cœur sec, t'es qu'un petit salaud égoïste. Ouais, au fond, on n'est pas très différents. Je suis presque aussi perverse. Qui sait? Ça pourrait marcher, nous deux, peut-être. Ça durerait ce que ça durerait, mais on s'éclaterait comme des bêtes. Non! Non, ne tire pas! Je vous appelle pour un meurtre. Les gens ont la mauvaise habitude de mourir dans votre entourage. Je n'ai pas tué cette fille. Ah. Dites, on a presque fini ici. Ouais. Attendez une minute. Vous la connaissez, pas vrai? On s'est parlé une ou deux fois, peut-être. Ouais. Une fois dans son appartement et une autre la nuit dernière dans une boîte en vogue de Pioneer Square. C'est pas le but, c'est de m'impressionner? Non, le but, c'est que vous me disiez ce que vous avez fait après. Travaillez un peu vos méninges. Et si j'avais envie de tuer Nora Wall, je le ferais dans le seul endroit qui me relierait directement avec le crime et j'aurais pris la peine de vous appeler pour me débarrasser du corps après. Ça vous permet de détourner les soupçons. Ouais. Et quels sont mes mobiles, hein? Il fallait que j'aie une raison pour la descendre, à moins que je l'ai fait pour le sport. Bon. Amour ou pognon, on retombe toujours là-dessus. Nora Walsh devait beaucoup plaire, mais son genre ne m'attirait pas. Et elle n'était pas spécialement fortunée, que je sache. Arnold Ryan non plus, d'ailleurs. Archi faux. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai sur mon bureau des relevés bancaires édifiants qui établissent que plus de 800 000 dollars sont passés sur le compte d'Arnold Ryan et en 3 mois seulement, Stone. Pourquoi êtes-vous passé sur le compte? Les sommes ont été transférées presque tout de suite à la Beacon Liberty Bank à Boston. Au fait, vous êtes dans quelle banque, Monsieur Stone? Ils sont bien renseignés sur moi, on dirait. Qui? Ceux qui ont monté le coup. C'est votre nouvelle version des faits?
Quelqu'un cherche à me coller ses meurtres sur le dos. Si vous aviez un peu de jugeote, vous le verriez. Qui, je ne sais pas, et encore moins pourquoi. Mais apparemment, on veut me faire plonger. Vous pouvez faire bien mieux que ça. Vous me décevez. Ah. Mettez-moi en prison. Quoi? Si vous croyez que je suis un assassin, arrêtez-moi. Ah, vous n'avez rien contre moi. Vous êtes zélé, Durant, mais vous êtes obtus. Et c'est une très mauvaise combinaison pour un flic. Je vous conseille de m'écouter si vous êtes si malin que ça. Vous avez tué la fille, vous avez descendu Arnie Ryan. Essayez toujours de crier que vous n'êtes pas coupable, je me charge de prouver le contraire. J'aurais trop de joie à vous coller en prison. Non, mais tu plaisantes. Stone est capable d'un tas de choses, mais c'est pas un meurtrier. Je le connais depuis des années. Ah oui, tant que ça? 23 ans, une paille. On est entré dans la police ensemble, ça ne date pas d'hier. En effet, je vois. Les flics qui tournent mal, ça arrive souvent, Moran. C'est pas son genre, faut te le dire comment. Et puis, il a eu assez d'embêtements. Tiens donc, quel genre d'embêtements? Très bien. On devait coincer un gamin et il avait pas plus de 18 ans. Il vendait une saloperie frelatée à un revendeur, enfin, c'est ce qu'on croyait. Ça s'est passé quand? Il y a un peu plus d'un an. Vous faisiez équipe ensemble? Ouais, exact. On savait où était sa planque. Notre indique avait repéré sa piole dans la zone de Jamaica Plain. On s'est pointé là-bas. On a dû défoncer la porte. Le gamin n'a pas coopéré? J'en sais rien. Stone et moi, on s'est séparés. Il y a eu beaucoup de remue-ménage là-haut, mais quand je suis arrivé, le môme avait déjà les menottes au poignet. Il avait la gueule en sang. Stone a dit que... il était tombé sur un rebord de fenêtre. Et le gars n'était pas d'accord. Sa version à lui, c'était quoi? Que Stone l'avait roué de coups et qu'il avait voulu l'amocher sans aucune raison. Et c'était faux? Écoute-moi bien, c'était un flic intègre, un flic formidable. Il n'a jamais frappé personne, juste par plaisir, il n'a jamais fait ça. Alors, c'était vrai? J'étais pas là. L'affaire s'est mal terminée, le dealer s'est retrouvé à l'hôpital en réanimation. Tout le service s'est mis à traiter Stone comme s'il avait la peste. Il faut bien comprendre le contexte. Stone subissait une énorme pression. Sa femme malade, déjà mourante, la chambre d'hôpital qui coûtait une fortune. Il avait plus de fric? Je suppose que non. Il a été suspendu? Il est parti. Ses chefs l'ont pas soutenu et il a pas compris. Et toi? C'était mon coéquipier, j'ai essayé, mais... c'était difficile parce que j'avais rien vu, j'étais pas sûr de ce qui était arrivé. J'ai voulu lui faire comprendre et il m'a envoyé me faire foutre. Il voulait que tu prétendes que le gars avait résisté. J'ai jamais dit ça, Durant. Au fond, il voulait que tu le couvres, c'est clair. Et qu'est-ce que tu racontes? T'es bouché ou quoi? Stone était dans la merde, d'abord sa femme mourante et il avait plus le sou. Son seul moyen de s'en tirer, c'était de mentir. Et il était capable de violence. Tu déformes, t'interprètes tout de travers. Qu'est-ce que tu veux? La vérité est pas toujours plaisante. Tu te plantes du début à la fin. N'insiste pas, vieux. Je sais que t'es un bon flic. Je suis navré. Raccroche pas, attends! C'est quoi l'histoire? Oh, le flic qui a mal tourné. Viré de la police après une sale affaire, faut dire qu'il était au bout du rouleau. C'est déjà arrivé, c'est pas la première fois. Ça se comprend un petit peu qu'il craque. Il se pointe sur mon territoire, il descend un type et une belle fille sans même faire d'excuses. Et au contraire, il roule des mécaniques, il me met au défi de le pincer, il se fout de ma gueule. Alors j'ai pas envie de le plaindre. Non, pas le moins du monde. Madame, je suis désolé, j'ai de très mauvaises nouvelles. Votre sœur est morte. C'est arrivé hier soir. Elle a été assassinée. Nous soupçonnons quelqu'un. Est-ce que vous connaissez un certain Jonathan Stone? Qu'est-ce que tu veux, Stone? Un service. Mais avant de dire non, écoute-moi jusqu'au bout.
Tu te souviens d'Arnie Ryan? Oui, je m'en souviens très bien. Il est mort. Je suis au courant. Un flic que je connais m'a appelé de Seattle. Un certain Durant. Il voulait que je lui parle de toi. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Il pense que t'as descendu Ryan. Tu lui dis que ton passe-temps favori, c'était pas d'aller tuer les gens le dimanche. Enfin, pas du temps où on se voyait. Don, j'ai besoin que tu fasses une petite enquête sur deux sœurs, Nora et Deborah Walsh. Elles sont du coin, et quand tu seras branché sur le fichier de Washington, pendant que tu y es, essaie de voir s'il y a rien sur Ryan, un autre type nommé David Yates. Ils sont tous de Seattle. Je sais pas si je peux. On commence à me poser des questions. J'ai besoin d'un ami, Don. Et au nom de notre ancienne amitié... Écoute, je sais que je le mérite pas, mais... Je suis dans le pétrin. Tu veux bien m'aider? Don, t'es toujours là? Oui, oui. D'accord, je le ferai. Je te donnerai de mes nouvelles. Bientôt, fais-moi confiance. Merci. Couchez-vous. Qui va la ressusciter? Qu'est-ce que vous faites là? On se balade. J'ai horreur qu'on me tripote. La police dit que vous avez tué ma petite sœur. Vous le pensez vraiment? Laissez-moi tranquille. Oh! Au fait, Sydney va bien, Deborah? Sydney, ton mari, il y a longtemps que je n'ai pas vu, c'est bizarre. Il est à Boston pour affaires. Et quand est-ce qu'il doit revenir? D'ici quelques jours. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse autant? J'en sais rien, il n'y a pas de raison. Je suis curieuse. Sortez. Admettez-le, je suis brillante. Vous êtes brillante. Je suis d'accord. La 4 maintenant. Au fait, pourquoi êtes-vous brillante? Parce que j'ai réalisé avant vous que c'était Sydney Bradford, l'assassin d'Arnie Ryan. La 6, facile. Vous en êtes sûre? Il n'y a pas le moindre doute. Et quels sont les mobiles de Bradford? Dites, je peux pas tout trouver, creusez-vous la tête. Alors, boule 9, plein de dents. Et si Nora, c'était pour les apparences? Voulez-vous être plus clair? D'après Leslie Marsh, Ryan se fichait que les femmes soient mariées ou pas. Tout ce qui comptait, c'était leur fortune. Nora était sans le sou, et Deborah est riche. Alors, si je vous suis bien, Nora était une façade, Ryan avait une liaison avec Deborah, pas avec Nora. C'est bien possible. Et ça expliquerait les 800 000 dollars déposés sur le compte de Ryan. Et Deborah avait accès au compte en banque de son mari. Et ils le dépouillaient ensemble. Encore une nouvelle désillusion. Mais Bradford a tout découvert. Lui qui a le sang chaud en plus. Il a perdu son sang-froid et il a tué Arnie Ryan. La 10 au milieu. Mais pourquoi Nora? Deborah a dit qu'elle parlait beaucoup. Elle a parlé une fois de trop et ça n'a pas pardonné. On tient presque une théorie. Avec un trou béant au milieu. Je vous écoute. Et pourquoi Sydney Bradford veut-il que je porte le chapeau? Couchez-vous par terre. Pourquoi? Faites ce que je vous dis, couchez-vous par terre.
êtes blessé? Rien nous échappe. Merci, on s'est brouillé. Il faut que je vous annonce, on entre pas comme ça. Chut, c'est une surprise, laissez. Bradford. Où est-il? Sydney. À Washington pour affaires. Vous mentez. Charlotte? Réessayez M. Bradford pour moi, s'il vous plaît. Il est au Grand Hôtel. Non, j'attends. Voulez-vous m'expliquer ce qui se passe? Non, rappelez-moi quand ce sera fini. Il est à un séminaire. Dès son retour, il rappellera. Vous lui avez parlé? Il y a une heure environ. Quelles sont vos relations avec Bradford? Qu'est-ce que c'est que cette question, saugrenue? C'est très simple. Êtes-vous amis, collègues? On est assez proches, je dirais. Ah, et lui, qu'est-ce qu'il dirait? On sait rien, je suppose qu'il faudrait lui demander. Est-ce qu'il dirait que vous êtes un coursier ou son bras droit? Vous voulez quoi? Bradford n'est pas un homme très sympathique, je crois. C'est quelqu'un qui s'emporte facilement, et quand il voit rouge, il ne se contrôle plus. Parfois, il peut même être très violent. Qu'est-ce qui se passerait s'il apprenait que sa femme l'avait trompé? Déborah? S'il apprenait qu'elle le vole? Non, elle aime bien trop son mari. Nora est morte. Vous êtes au courant? Qu'est-ce que ça a à voir avec Bradford? Ça, je l'ignore. Vous allez peut-être me le dire. C'est à Bradford qu'il sait où me trouver. Je vous vois sous votre vrai jour, vous êtes un violent. Pourquoi? J'ai pas levé le petit doigt sur lui. Pourquoi ces menaces? J'ai fait de l'intimidation. On va voir ce qui va en sortir. Stone sort d'ici. Et je te répète qu'il sait, il a tout compris. J'avais promis de t'occuper de lui, on devait s'en débarrasser. Ouais, j'ai la trouille, et j'ai de bonnes raisons, tout ça se terminera mal, et je vais te dire une bonne chose. Si jamais Stone découvre le poteau rose, c'est chacun pour soi, tu m'entends? Je te ferai pas de cadeau. J'ai enquêté sur Ryan, Yates et les sœurs Walsh. Non. J'ai découvert que Ryan et toi, vous faisiez de bonnes affaires ensemble. Comment? Tu pourrais répéter ça? La Société Commerciale des Patriotes, la compagnie sud-bostonienne, la Rhinestone. Elles ont été inscrites au registre du commerce du Massachusetts il y a 2 semaines. Ouais. Peut-être, mais je vois pas... quel rapport ça a avec moi? Plus de 800 000 dollars ont été déposés en espèces sur leur compte à la Bacon Liberty Bank. Ces dépôts servent à blanchir l'argent que quelqu'un vire d'une compagnie à une autre. Et ce quelqu'un, c'est toi. Qu'est-ce que tu me chantes? J'ai rien à voir dans ces magouilles. Fais-moi plaisir, arrête ton cinéma, ne me prends pas pour une poire. Toi et Arnie Ryan, vous pompez le fric de Bradford. Ensuite, vous blanchissez l'argent sale et vous le mettez à l'abri à l'étranger. Mais tu deviens gourmand, t'as plus du tout envie de partager et tu liquides Ryan. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Peut-être, mais c'est pas comme ça que tu rentres vers les choses. Allô? Tu m'entends, Stone? Écoute, Don, il faudra étouffer l'affaire quelques jours pour que j'y vois clair, que je puisse me retourner. Je t'explique, je peux pas avec une accusation de meurtre qui te pend au nez. D'ailleurs, j'ai déjà faxé tout ça à l'inspecteur Durant. Je sais que les soins d'Hélène coûtaient cher, mais t'aurais dû m'en parler, je t'aurais prêté du fric. Dis-moi ma place, qu'est-ce que tu ferais?
je me trouverai un bon avocat. Don! Vous vous sentez mal? Qui était-ce? Stone, qu'est-ce qui ne va pas? Allô? Attendez, calmez-vous. Mais pas si vite! C'est Yates. Il veut vous voir. Il insiste, il est terrorisé. Vite, dites-moi ce que je réponds. Appel à la vol à main armée dans un individu en pulse et deux clients en otage. Est-ce que je mets les mains en l'air? Il paraît que c'est ce qu'on fait d'habitude. Où est-il? De qui voulez-vous parler? Hé, hey, madame, réveillez-vous. Je veux bien que ça vous excite de vous taper un type recherché par la police. Mais moi, je veux le faire juger pour meurtre. Je pourrais aussi vous foutre en taule pour obstruction à une enquête criminelle. Alors, vous nous invitez ou bien on rentre en force? Soyez mes hôtes. Ça ne me dérange pas qu'on visite. Vous vous trompez complètement sur lui. Oh, je sais, Stone est un ange. Et moi, je suis trop bête pour m'en rendre compte. C'est pas moi qui vais vous contredire. Il y a personne. Ne me regardez pas comme ça, je suis pas sa mère, non? Ça me fait pas rire. Dites-moi où il se cache. Je dois aller porter plainte pour vol. Sidney Bradford, je vous prie. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Monsieur Bradford? Qui est à l'appareil? C'est pas mal comme endroit pour faire une garçonnière.
Bah quoi? Vous savez combien de cholestérol vous avez ingurgité? Ben, c'est ça les risques du métier. Un bon flic mange de la merde. Je suis secouriste, ça peut servir. Bon, donc, Yates a été tué. Refroidi. Comment? Oh non, 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 dites rien, je veux pas le savoir, ça me dégoûte. Watford l'a abattu. Il a dû apprendre par hasard que je connaissais Arnie. Après, le reste était facile. Il a tué Yates et les autres. C'est lui, le meurtrier. L'argent blanchi, les virements bancaires, les sociétés bidons, tout ça faisait partie de son plan. Il fallait que j'aie un motif pour tuer. Alors Bradford m'en a inventé un. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Pour vous, mon vieux. Gardez-le! Qu'est-ce qu'on disait? Vous êtes dans un foutu pétrin, Stone. Vous allez déguster. Vous êtes mort. Tu travailles pour qui? Vous avancerez à quoi de la prendre? Ce qui compte, c'est qu'ils vont vous buter de toute façon. Casse-toi. Vous n'avez rien de cassé? Je me suis mordu la langue. Ne cognez jamais avec le menton. Oh. De quoi j'ai l'air? Aidez une pub pour sac poubelle. Flatteur, va. Rentrez, attendre gentiment que je vous appelle. Dans une heure, si je n'ai pas appelé, prévenez Durant. Racontez-lui par le menu toute la sauce. Stone! On n'est jamais trop prudent. Veuillez tranquille. Je n'ai pas envie de mourir. Tout faire rater. On est si près du but.
Cet ivrogne nymphomane risquait de tout foutre en l'air. La police est à mille lieues de soupçonner la vérité. Notre plan a très bien marché. Et avant qu'ils comprennent, on aura le temps de filer. J'ai pas l'intention de partir avec toi. Ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu vas faire si je refuse? Tu vas me tuer? Tu y as songé? Déborah! Alors vas-y! Presque la solution. La machination, le coup monté, les vrais mobiles. Tu n'as fait qu'une seule erreur. Tu as pris l'assassin pour la victime. Tu verrais ta tête, ça vaut le coup d'œil. C'était le cadavre de qui au réservoir? Sidney Bradford. C'est pas possible, je vais parler au téléphone. Non, c'est avec moi que tu as parlé. C'est pas Bradford qui m'a tué, c'est le contraire. Allez, lève-toi, debout. Comment tu t'y es pris? Ça n'a pas été très dur. On avait la même taille, la même corpulence. Je me suis arrangé pour qu'on ne le reconnaisse pas. C'était pas très joli, mais enfin... Ensuite, j'ai dû mettre Durand sur la bonne voie. J'ai laissé mes papiers dans le manteau de Bradford. Durand a trouvé l'adresse de Nora, elle a identifié le corps, le tour était joué. Elle était parfaite dans le rôle de la veuve éplorée. Vous êtes tous fait avoir. Bradford a tout découvert, hein? Oui, il menaçait de nous dénoncer, il fallait bien que je l'en empêche. Alors t'as improvisé? Avec brio, si tu veux, mon ami. Dis-moi une chose, Arnie. Est-ce que tu as fait tout ce chemin pour l'enterrement d'Hélène seulement pour me mêler à ses crimes? Non, tu sais ce que je ressentais pour Hélène. J'avais même pas pensé à toi à ce moment-là. C'est après, quand on bavardait à l'hôtel, tu disais que ta vie était foutue et t'avais raison. Hélène n'était plus là. Tu touchais le fond, ça faisait de toi la proie idéale. Mais je me suis pas laissé faire. T'aurais dû jouer le jeu. Ça nous aurait facilité la tâche. C'est à cause de la fille, hein? Là, je te suis plus. Ace, Annie Ace. Elle t'a redonné le goût de vivre. C'est un peu tôt, mais ça peut se comprendre. Ça ne servira à rien de la tuer. Durand te croit mort. Tu crois rien, t'es en circuit pour lui. Trouve autre chose, Jonathan. Désolé. Jure-moi de pas la toucher. Toutes les mêmes. Qu'on panque des godasses pourries ici. Moi, ça me dégoûterait, pas vous?
voilà, vous êtes content. Je suis au fond du bocal. J'ai des poches énormes sous les yeux, je pleure comme un bébé et j'ai horreur des adieux. Il fallait que je rentre un jour ou l'autre. Non, rien ne vous y force. Pas comme ça. Je veux dire, il aurait fallu... Enfin, j'en sais rien. Vous puis partez, d'ailleurs, ça m'est égal. Je me suis fait plaquer par des types mieux que vous. Surveillerez, vous ne ferez pas d'imprudence, vous laisserez personne vous tirer dessus et... Mangez bien, brossez-vous les dents, ne prenez pas froid, évitez les courants d'air. Je sais bien que je dis n'importe quoi, Jonathan. J'ai peur que si je m'arrête de parler, vous disparaissiez comme un rêve. Mais je reviendrai. Jonathan...